capitaliste. On ne négocie pas la régression sociale. On ne négocie pas la régression sociale. FSU et Sud Éducation sur les menaces de sanctions qui concernent les professeurs de lycée qui combattent contre le nouveau bac de M. Blanquer et qui essayent d'empêcher la tenue des E3C qui se tiennent dans des conditions absolument déplorables. Donc je vais lire un extrait du communiqué. Jean-Michel Blanquer veut imposer la tenue de cette session d'E3C à tout prix. Pour y parvenir, il incite recteurs et chefs d'établissement à réprimer les mobilisations des personnels et des élèves. Dans un contexte où les discussions sur les revendications n'ont pas lieu, un certain nombre de recteurs donnent des consignes qui exacerbent les tensions. Nos organisations sont alertées par des dépôts de plaintes, des pressions, des remises en cause du droit d'expression et de mobilisation des personnels ou la répression violente des blocages lycéens. Ainsi, le recteur d'Aix-Marcel, dans un courrier envoyé au chef d'établissement, parle de faute professionnelle avec toutes les conséquences disciplinaires qui en découlent. En cas de refus de participer aux E3C,
De la même façon, le recteur d'Aix-Marseille et celui de Toulouse menacent d'avoir recours au code pénal, c'est-à-dire de porter plainte contre les professeurs. Des allégations d'entrave concertées avec menace à l'exercice de la liberté du travail. 13 personnels du lycée Beauregard de Montbrison sont visés à l'instigation du DAZN par une plainte pour vol déposée par la direction pour avoir retenu les copies 3 heures dans l'établissement. Nos organisations syndicales demandent l'arrêt des menaces, des intimidations et la levée de toutes les sanctions envisagées. Nous ne pouvons accepter une telle criminalisation de l'action syndicale. Nous alertons aussi sur la répression inadmissible dont sont victimes les lycéens, comme à Paris devant le lycée Henri Boucher. Nos organisations ne sauraient accepter que le mouvement légitime de rejet de la réforme des retraites et des E3C se traduise par la mise en place d'une répression inédite dans l'éducation nationale. Nous demandons au ministre de mettre fin à ces pressions inacceptables pour engager un véritable dialogue indispensable au bon fonctionnement du service public d'éducation. Merci. Merci. Parole à Christiane, qui va parler des médecins. Bonjour. Donc je voulais tous vous informer qu'il y a un appel national à une manifestation qui aura lieu sur Marseille et sur Paris lundi prochain à 13h à Bastille à Paris et qui est lancé entre autres par le collectif SOS Retraite. Ce collectif qui réunit les professionnels de santé, de l'aérien, du droit, du chiffre, appelle tous les professionnels de ces secteurs de cesser le travail qui est déjà donc... Cet appel date déjà du 3 janvier 2020. Le Premier ministre étant resté sourd à la colère exprimée par les professions qui ont bâti des régimes de retraite autonomes, vertueux et solidaires, les 16 professions qui transportent, soignent, conseillent et défendent nos concitoyens, réunis au sein du collectif SOS Retraite, lancent donc un appel à la manifestation nationale et sont dans le mouvement avec les autres syndicats. Donc entre autres la profession des médecins dans le syndicat UFME. Je suis désolée. Merci. Voilà. Et après vous apparaissez. Je reste là. Alors je reste là. On a à présent